Je crois plus les autres. Et c'est vrai que le diamant par rapport à l'époque où je jouais, il y a plus de monde en diamant maintenant. Donc. Bon, après, il y a plus de joueurs partout, donc ça se trouve aussi ça rentre dans l'ordre. Hein. Alors, le niveau 1. J'ai pas touché un héros adverse à la cravache, confère 94 points de bouclier. Globe de régénération confère 42 points de bouclier d'assimilation par seconde et les régénérations de points de vie et de mana sont augmentées de 100%. Mais du coup, l'assimilation dure pas plus longtemps. Du coup, ce talent est pas terrible. Ouais. Je pense que la fureur de l'essence trop fort. Le fait qu'ils aient pas mis en sorte que le bouclier dure plus longtemps, je trouve ça vraiment nul. Ouais, je connais le site, c'est OPGG. Mais il me semblait que c'était 3% hein, diamant. Et j'ai vu Fresh en parler et... J'ai confiance en Fresh, on va dire. C'est vrai que j'ai deux charges de Q maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, tu vas un peu loin là par contre. Tu vas un petit peu loin. Ah putain, je suis pas en smartcast. Ah, c'est terrible. Lancement rapide. Non, non, non. Bah oui, c'est à cause de ma vidéo de guide de tout à l'heure. C'est terrible. Ah, ils ont vraiment. On sent qu'ils ont baissé la range par contre. Hein. Oh. Ah, c'est mieux quand même. Oh non, t'es pas sérieux? T'es pas sérieux, il s'en sort. Ils ont réduit les... Faudrait que je regarde la patch note, j'ai même pas regardé la patch note. Putain, normalement ça aurait dû tuer ça. Oh, c'est triste hein. C'est triste hein, ce qui s'est passé. Par contre la portée du A, oh mon gars. Oh je le sens hein. Oh je le sens la portée du A, c'est insane hein. Ouais, du coup ils ont réduit les dégâts du E mais ils ont fait en sorte qu'il y ait un burst après le E. Non, je reviens. Ça c'est cool ça. Impulsion psy, poigne explose deux fois. Faire des victimes augmente les dégâts. Merci à toi Sylvache. Pour les 9 mois d'affilée, dégâts infligés augmentent ceux de la performance. C'est l'heure du goûter. Augmente les dégâts de la prochaine utilisation. Inflige des dégâts à un ennemi, augmente les dégâts de la prochaine utilisation de la. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est. Ça a l'air cool. La première graine a germé. Hâtez-vous. Ça a l'air cool ça. On va voir faire des victimes. Non, mais... Putain, je lis, je suis désolé. Ah, je suis pas bien là. Je suis pas bien là. Alors attendez, faut que je lise. Les serviteurs de héros qui meurent moins de 1,5 secondes après avoir subi des dégâts de rage augmentent les dégâts de ses capacités jusqu'à un maximum de 50 points. Serviteur confère 0,5 points de dégâts supplémentaires, les héros en confère 5. Ok. Une fois une augmentation de 50 points atteinte, ramage inflige 50 points de dégâts supplémentaires. C'est pas mal hein. Ça a l'air pas mal ça, la main affûtée, dis donc. Ça a l'air cool. J'ai bien aimé ton commentaire sur John Jive. Moi aussi. Ouais, ça a l'air pas mal ça hein. Parce que du coup de toute façon faut jamais quasiment faire de Z instant. Bon, faut jouer avec l'effet on va dire. Du coup ce truc c'est augmente de 10% de bouclier par les attaques de base, à l'utilisation de ravage. Ah du coup ça marche que sur ravage l'auto de zone, c'est un peu dommage. Ah, une graine se développe. Ne soyez pas si impatient. Ah tu parles de là-haut de base, ouais je croyais que tu parlais du E en fait. Parce que le E maintenant regardez, ça fait un petit truc et vous voyez, pouf ça explose après. Et c'est cool ça. C'est la lame scie qui a été mise de base en version changée un petit peu qui est quand même cool. Alors on a un tribut qui vient de pop. C'est quoi ce marque, cette marque? Ah d'accord c'est le temps. D'accord. Il y a des petits trucs au sol en plus de l'apparition d'une graine. Récupérez la graine. Et ne vous souciez pas des traînes racines. Ils ne ressentent plus rien. D'accord. C'est intéressant. Ah, déçu.
Bon, là on a perdu. Hein. Là ça va être compliqué. En fait, tout le monde crève sur les combos Arthas Kerrigan. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Après, de toute façon, ouais, Gul'dan est un peu hors de pause ici. Du coup, c'est pas cool. On va voir. Parce que sinon, la game elle risque de snowball un peu violemment. Je pense que le niveau 4, celui-là a l'air cool quand même. Hein. Celui-là a l'air très fort. L'explosion, faut voir. En fait, les 3-4 ont l'air cool quand même. Les 3-4 ont l'air cool. Niveau 7. Ravager peut conférer une charge de ravage. Toucher un héros adverse avec ravage confère une charge de ravage. Ah d'accord, donc si tu Q un mec, ça te redonne un truc. C'est cool. Seconde sur le même héros. Ah, d'accord. Mais après, si tu le refais... Ah, ça peut te permettre de dash dans tous les sens. C'est pas mal. J'ai pas voulu combo. Réduit le temps de recharge de ravage. Et après, le Landelam, ça te permet d'avoir plus de combos. Je pense que ces deux-là sont forts. Celui-là est pas terrible. Celui-là, c'est. Mais Landelam, c'est fort. La nature est facile. Après, j'aime bien le coup du ravage. On prend les Landelam. Je pensais le toucher. C'est complètement raté ça. Pauvre fou, vous ne pouvez rien contre mes terreurs. Ah, c'est la déception là. C'est la déception. C'est la grande déception. C'est la très grande déception. J'aime beaucoup le fait qu'il pleuve. Par contre, elles ont combien de PV? Ah, elles ont 11 000 PV quand même, les terreurs. Mais elle va tout péter en fait. Elle va tout péter quand même. Ah, ETC, c'est un bot. C'est triste. On est déjà pas bien, mais en plus si on a un bot, c'est pas fou. Alors attendez, moi je veux rien faire, je veux pas la toucher cette vague. Bon, on est en train de se faire snowball, hein, ça joue aussi. Ah, c'est violent quand même. Hein. Premier paiement 3-T1, quasiment. C'est violent quand même. Un peu violent, ça ce sera nerf, hein. Ça ce sera changé. Ça c'est... Elle est un petit peu snowball. Bon après ils sont 10 mais ils vont chercher le T2. C'est un peu beaucoup quand même. Ils ont un peu craqué là dessus hein. Ils ont un petit peu beaucoup craqué sur les terreurs. Ce que je disais c'est est-ce que ce sera bien équilibré. Au niveau, fallait voir le nombre de PV, on va dire. Oh, j'ai tout raté, c'est triste. Quoi? J'avais pas du tout fait ça, moi. Oh là là. Putain, c'est triste, par contre. Bon, bah, cette game, elle est triste. Vous comprenez aussi pourquoi j'aime pas trop les personnaliser? Parce que, bah, là, on a un bot. Mais même avant le bot, il y avait des soucis, on va dire. Même avant le bot, il y avait des soucis. Du coup, c'est pas très fun comme game. Je suis un petit peu triste parce qu'ils ont avancé vers moi, ce qui n'avait aucun sens à la base. Du coup, j'ai raté mon combo. Mais bon, raté. Putain, la portée du A, par contre, tu la ressens. Hein. C'est insane. Préparez-vous hein. À récolter une autre. Je trouve la portée du A, c'est un gros changement quand même. Hein. Parce que c'est ton gap closer quand même. Hein. C'est ton gap closer hein. Et t'as vraiment plus de portée sur le A maintenant. Donc faut voir sur l'engage. Parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir une grosse portée sur le A. Je dirais le golem de Minanté mais en plus fort. Ah, le golem de Minanté, t'es même pas sûr de prendre un T, hein. Là. Faites ce que vous avez à faire. Et il bouge bizarrement, moi je sais pas quoi faire là. Après, je rate mon combo, mais il est censé reculer là. Pas avancer. Après, ils ont tellement de niveau d'avance que de toute façon. Ah, il a mis la robustesse glaciale, je suis déçu. Oh, c'est un stun de zone? T'es pas sérieux? Vraiment, c'est un stun de zone. C'est vraiment un stun de zone, t'es sérieux là?
Direction ciblée pour dégâts premier roi adverse, mais en plus de l'étourdir. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir stun de zone. C'était décevant. Oui, par contre, balancer Arthas, c'est pas la meilleure des strats. Hein. Quand vous jouez Garrosh, arrêtez de balancer Arthas. C'est pas la meilleure des strats. Je sais pas, j'avais l'impression que ça avait stun plusieurs mecs, mais en fait non. Je perçois la germination d'une graine. Prêt pour la récolte. Le shield a l'air énorme par contre. C'est moi ou ça stun jamais là? Los técnicos tiraron un fuerte. Ha, me las van a pagar. Auriez-vous oublié la graine, héros? Ouais, là, la range par exemple, bah j'ai rien. Je peux pas y aller. Attends, la portée du R elle est grande quand même. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça, mais c'est un raté. Muerte doble. C'était bien ça. Putain, j'ai l'impression que mon stun il passe jamais. C'est insane. Ah, je suis déçu. Ah, complètement déçu. 13, pour faire de l'armure anti-sort, ça peut être fort ça, hein. Ça peut être très très fort l'armure anti-sort. Bouclier, mais réduit sa durée, augmente le bouclier des cimes, réduit la durée d'assimilation de 3 secondes. Ça, je trouve que c'est de la merde. Ça, pour moi, c'est une connerie. Pendant 6 secondes, ça, c'est de la merde. Pour moi, ça, c'est trop faible. Ça, c'est de la merde. Après, le bouclier a l'air d'être beaucoup plus fort, mais ça, ça a l'air d'être de la merde. Du coup, le chrysalite, ça peut être cool. Barrière psionique, ça peut être très très cool. 15 points d'armure anti-sort. Après, le problème de ça, je trouve, c'est juste que ça va t'inciter à eux n'importe comment et pas faire de combo du coup. C'est peut-être le petit défaut, je dirais, de la barrière psionique. Mais ça peut être très fort. Ça peut être très fort. Le 16, énergie débridée. Les attaques de capacité d'héroïque confèrent la puissance de capacité. L'arme performante confère un bonus de dégâts. Ravage confère de la puissance de capacité. Subissant 5 points de dégâts supplémentaires de la part des 6 prochaines attaques de Kyrian et leur porte dans les 5 secondes. Ok, ça c'est pour Burst. Ça a l'air cool en vrai. Hein. Capacité. La capacité, l'énergie débridée, ça peut être très fort. Hein. Ça peut être vraiment cool. Bon, hein. Ça stun bien. Putain, je les tue plus en deux coups. Du coup, je perds mes stacks. Ça casse les couilles, ça. Allez, hop, ça c'est fait. Putain, merde, pendant le... J'ai un gros shield là par contre. Ne vous battez pas. Allez. Oui. Bon, merci à toi Rickenback pour les 9 fois d'affilée. Bring Minifaratas Head. Merci à toi. C'est qui augmente les dégâts à l'air pété. Je pense que c'est cool aussi. Après, faut pouvoir taper derrière. Mais oui, sur le papier, ça a l'air très fort. Sur le papier, ça a l'air intéressant, on va dire. Ah, j'ai pas pu sauter. Oh, j'ai raté. Non. Oh. Ouais, il l'a pas mis avant. Je suis déçu. Tiens, allons le chercher, lui. Mais j'ai plus de mana. Ah, je suis triste. Mais ETC, il va où?
Ah non, c'est plus un bot TC, mais il va par là pour venir m'aider par là, je suis triste. Déjà par là, me performance, 841 points de dégâts supplémentaires de la part des 6 prochaines attaques de Kerrigan. Le coup de l'ult, ça a l'air fort. Hein. Le coup de l'ult, ça a l'air très très fort. Si tu joues l'ultralisk, tu veux stun un mec et l'enchaîner derrière. Donc sur le papier, ça a l'air très très fort. Hein. Sur le papier, ça a l'air très 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 fort. J'ai envie de tester un petit max combo. On va tenter un petit max combo. Et au 20, inflige des dégâts aux ennemis, augmente les dégâts des attaques. Bon, ça, je trouve pas ça terrible, ça. Après, avant, c'était 20% minimum. Je préférais les 20% minimum. Parce qu'il y a trop de trucs en mode, si tu fais ça, tu auras une augmentation. Ça a l'air cool sur le papier. En fait, c'est plein de petites augmentations qui m'ont l'air un peu oui, mais sans être oui. Quoi? Ça la cancel son stun. Oh, je suis pas content, là. Ah, je suis déçu. Ah, je suis très déçu là. Je suis très déçu. Le root cancel le... Mais ça c'est complètement con, Blizzard. Le root d'Arthas cancel le stun de l'ultralisk. C'est absolument débile. C'est absolument débile, ça n'a aucun sens. Le truc est pas insensible pendant la projection du stun. C'est complètement con. Ça n'a aucun sens, c'est ça. Aucun sens. Merci à toi Yano-sama pour le sub, merci à toi. Ça n'a aucun sens. C'est nul à chier, ça. Ouais, ça change beaucoup de choses sur la Kerrigan, quand même. Ça change beaucoup, beaucoup de choses sur Kerrigan. Après, je pense quand même que c'est mieux, mais je préférais, j'aimais bien l'ancienne. Après, forcément, je me suis pas encore fait à la nouvelle, alors que l'ancienne, je la maîtrise plutôt bien. Terreur. Ah, mais la terreur, elle stun et tout. Ah ouais, non, ils ont craqué. Hein. Ils ont craqué de ouf, hein. Mais c'est une terreur, ça, hein. Ah, ils ont craqué de ouf, hein. Ils ont beaucoup trop craqué, hein. Donc l'ultralisk est toujours pas viable. Si, si, elle est viable. Elle est viable, elle est viable. Mais je trouve ça naze qu'elle soit pas insensible pendant le lancement, quoi. C'est le genre de truc qui vient d'arriver, c'est les rares cas où ton ultra, bah, tu vas être en mode... Enfin, là, ça revient à rien, quoi, l'ultra, là. On tient notre nouvelle Braxis 3. Non, non, mais c'est n'importe quoi. L'objectif là, sur... je pensais pas qu'ils avaient été aussi cons dans la prise d'objectif. Hein. C'est... Ah, mais on avait deux bots. Ah non, j'ai rien dit. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, Jardin de la Terreur. Parce que